attendez, un hélicoptère. On fait un podcast. On fait un podcast. Ça gosse les esti hélicoptères. Je pense qu'on est deux coups en arrière, mais on est deux coups en avant. Ouais, tout le temps. C'est ça, j'avais pas vu ça quand vous étiez en train de jouer au Binipot tantôt. Non. Non, mais c'est parce qu'on brouille les cartes. Ah, ok. On agit tout... comme des caves, mais des crissements intelligents. On veut juste être undercover. All right. Ben, bienvenue au IP Podcast, les gars. Merci. Ben, merci. Je vous laisse vous présenter, vous dire votre nom au micro. Vas-y, comment? Ben, moi, c'est Gabriel Payette. Ouais. Natif de Saint-Jacques, 27 ans. J'aime la bière. T'as 27 ans? Il donne tout son curriculum. T'as 27 ans? Oui. T'as pas 28? Non, je vais l'avoir. Ok, en c'est décembre, ça. En décembre. On n'est pas rendu là. Okay. On est pas rendu. Moi, c'est Olivier Ricard, je viens de Saint-Alexis. Je suis agriculteur. À 16 heures. Je déborde pas trop, tu sais. Okay. Je reste ça tranquille. On fait des cocombes, des piments forts puis de l'ail. Hein? Ah ouais? Ça, c'est moi. N'importe qui veut acheter des piments forts. Ben non, dans le fond, on a des contrats avec une compagnie. Ah, ben okay. Tu veux en acheter une boîte de 50 livres. Il peut vendre une boîte. T'as été voir MTL. Le gars qui fait les Montréal. Sauces piquantes, là. Ouais. Montréal? C'est MTL. Oui, le MTL veut dire Montréal. Okay, c'est mais ça. C'est L pour l'enfer. L'enfer étant les sauces piquantes. Oh, MTL. Oh, okay. MTL. Oh, wow. Il est juste là. Il est vraiment devant nous autres. Mais le pire, c'est que c'est des bons. Ah, ben, tantôt, j'ai vu quelqu'un avec une bouteille. C'est des bons piments forts. Que ah oui? Ah, oh, ben des hot bananas. Oui. Puis des Cayenne. Ben là. Puis l'année passée, on fait des. On va te le présenter s'il passe pas pour venir jaser. Ouais, ça serait cool. Ouais. Comme OK. Ça. Il s'appelle Zach, il est super fin. Zach Efron? Non. Fuck! Non, il a pas le temps. Il a pas le temps de chanter, il fait des piments forts. Zach Efron, il chante-tu? C'est pas un acteur? Il fait tout, Zach Efron. Ouais, c'est Chris. Ben, check. Il chante. Il chantait avant d'être un acteur. Ben oui, High School Musical. Oh, High School, non, mais il l'a dit qu'il y a 27 ans. Il a écouté ça sans le dire. Il voulait juste. Ouais, c'est ça. Je voulais pas que ça paraisse. Je voulais pas vous dire que c'était mon. Je l'aimais. J'aime bien le basketball et les chansons, là, mais. Je trouve que ça va bien avec le rythme du ballon. Tu sais, ils l'ont écouté, ils savent qu'ils chantaient à basket. J'ai écouté les trois, puis je les écoute à tous les années. Je trouve ça bon, ce petit show-là. Fait que vous avez écouté le loup-garou du campus aussi. Tabarouette, ça. Ah, ça, je sais pas. Un génie. Ah, voilà. Ah, ça, pour vrai, c'est du génie, le loup-garou du campus. T'as-tu revu des images de ça il y a pas longtemps? Moi, je me sens comme si j'avais 27 ans aussi. Ah, t'as quel âge? T'as quel âge? Présentez-vous. J'ai 27 ans. Présentez-vous. Peut-être que pas tous les gens. IP Podcast, 27 ans. Mais non, le monde, ils ont écouté. Ils écoutent mon podcast rendu là, ils ont tous 115 épisodes. Mais bon, ils ont fait. Mais mettons que c'est le premier épisode qu'ils écoutent. Guy est encore de dos en arrière de la caméra. Allô, mon co-animateur. Ah, t'es tout le temps Guy. Là, quoi? Ah, ben oui, présente-toi. Vas-y. Oui, ben moi, je me présente plus. Moi, j'ai brûlé le micro. Oui. En fait. Hein? T'as brûlé un micro? Pour vrai? Brûlé carrément, juste avec ma voix. À un moment donné, ils font. T'as une voix chaude? Ils tombent. Ouais. Le trouvait chaud, mais je pensais pas tant que ça. Pour un gars qui pensait jamais être sur mon podcast une fois, et... oui. Ça fait 115 fois qu'il est là. En fait, moi, je veux juste. Ouais, exactement. En fin de semaine, je veux juste passer du temps avec PA. Il enregistre tout. À toutes les fois, je fais record. Je tourne le micro. Je fais juste. Regarde. Dans le fond, je jasais avec vous autres, là. Là, je voulais pas me présenter, mais le fait. Encore une fois, il s'est dit, je m'assois pas. Ben, ouais, exactement. Il a la caméra, il dit, ah, ça, c'est ma place. Il dit, comme, non, je peux pas m'asseoir. Ma je sais que tu vas faire record, je ferai pas record. Hey, on s'est assis. T'as vu, j'avais pas fait record. Si vous êtes arrivé, j'ai fait, bah, pas le choix de faire record. Les gars sont là. Hey, c'est pas de ta faute. Non, c'est de là. Non, je sais. On prend le blanc. Ben, plus lui. On est comme il y a eu un peu. Un peu un style con. Il prend toutes les blondes. Il voulait parler de l'Octoberfest. Ouais, c'est ça. Vous êtes venu ici entre amis, carrément. Oui, ouais. Ben, avec. Ben, il sort avec ma soeur, c'est mon beau-frère. Oh! C'est mon beau-frère. Avec amis et famille. Oui, exactement. C'est hot. On réunit. Première fois que j'allais celle-là. Puis ma soeur travaille chez l'alchimiste qui est juste à côté de nous. All right. Ouais. En background, là. Ouais, exact. C'est quoi son nom? Evelyne. Laquelle? Ben, là. Moi, c'est un genre avec Roxane. J'ai trois sœurs. Pas un nom. Hein. Non, à travailler chez. Ouais. Hey, c'est vraiment. J'ai trois sœurs. J'ai une grosse famille. Qui travaille chez l'alchimiste? Evelyne. Evelyne, moi. La plus jeune. Evelyne! Bon. Viens dire bonjour. Fuck you. Viens dire allô au micro et à la caméra. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Qui est là? Non. Dis bonjour. Bonjour à tous. Présente-toi. Oui, vas-y. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Ah, mon Dieu, c'est ça. OK, c'est bon, c'est fini. Oui, oh, oui, non, ça s'asseoir. Ben, bonjour, je m'appelle Evelyne, je travaille chez Alchimiste Microbrasserie. Puis
ce que j'aime dans la vie, c'est les gens, mon chien, Zoé. La bière. Bon. Puis mon chum. Je l'aime, mon chum aussi. Ah, c'est bien, tu l'as dit en dernier. Après, non, mais l'ordre de priorité, à la longue, ça change. Exact. C'est ça. Parce qu'elle l'avait oublié. Non, mais c'est parce qu'il est arrivé. Il est arrivé après le chien, fait qu'à un moment donné. Il est aussi arrivé après la bière. Aussi, ben oui. Ben oui, la bière. Ça. La bière est arrivée. Non, mais la bière est arrivée même plus tôt dans sa vie. C'est quand même assez récent avec la bière est arrivée. Ah, ok. C'est pour ça qu'elle est un peu. Ok. Mais comment ça marche le podcast en fait? Est-ce qu'on peut pas le réécouter? On genre, ben oui. Comment ça. YouTube. Il y a plus que 20 plateformes dans le fond qu'on joue. Ouais. Spotify. Mais c'est pas en live, là. Vous allez non, on n'est pas live. En ce moment, non, dans à soir. Ce soir. Tu vois, c'est souvent les gens me disent, c'est-tu live? Je dis non. Ah, ok, cool, tu fais du montage. Non plus. Ok. Ben, c'est ça. C'est dur de faire du montage dans un podcast. C'est toujours très dur, mais je finis par passer toujours 8 à 15 heures de montage pareil par podcast. Ah ouais? Ah ouais, mais tu ne coupes pas, tu fais juste écouter et tu crèmes. C'est ça. J'ajuste les moments quand tu cries. Peux-tu le poster ou pas? Très rarement, c'est le moment où je coupe. Je vais y retourner, mais merci. Ben, tu diras à Hello qu'elle gère le kiosque et que tu viens jaser. Ouais. Après ça, mais on veut ton sport. Mettons que je fais une joke méchante. J'avais goût de dire. Essaye donc. Ah, t'aurais pu. Ah non, pas, j'avais aucune idée de joke. Tu t'avais pas. Hier, j'étais allé à Saint-Tite. Ouais. Ouais. Puis, à la fin, il était comme rendu 3h du matin. Ça, c'est pas mal la fin. Puis on s'est tous mis autour d'une table, puis on se comptait des jokes. Ouais. Des histoires de peur. Ça arrêtait on, de on avait tous des flashlights ici, on se comptait des histoires de peur. J'ai peur hier soir. Non, mais on se comptait tous des jokes. Ça faisait longtemps, mais j'avais pas fait ça. Autour d'une table. Comme l'émission de télé, les histoires de peur. Ah, non, mais. Histoire de peur. Les films de fucking cab. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est drôle. Ben voilà. En tout cas, mais continue. Toutes les références de tantôt, je les comprends pas. C'est plate à maudit. On va. T'es vieux? Il y a 45, celle-là. J'ai-tu dit mon âge? Non, mais hier. Non. Je me suis présenté trois fois, je pense. Ben ouais. Là, tu t'es pas présenté. J'ai pas dit 30. Ah même oui, c'est pas vrai. Pas présenté, tabarnak. Non, exact. J'aime mieux laisser super. Garder l'anonymat. Au moins, tu sais où il travaille, c'est écrit dans son nom. En fait, quand. Ouais, t'es pas subtil. Quand il fait son montage, il change ma voix pour comme. Il parle de même, ouais. Comme dans les True Crime. Bonjour. Ah, bon. On parlait justement de toi il y a à peu près. On disait, Eliane. On arrivait sur ton sujet. Là, t'arrives, Bastien. L'année prochaine, on va faire des podcasts. Avec les podcasts. Ouais. Voilà. Ça le fait? On va pouvoir? Tu peux dire allô à la caméra qui est là. On va me dire, tant que tu voles pas le micro, tu peux. Non, c'est le carte. Le micro, c'est pas grave. Ok, c'est correct, on a le droit. Fait que tu veux te présenter et dire pourquoi on va faire des podcasts ou. Vas-y, la place. Ben, pour. T'es qui? Les gens, ils savent pas t'es qui. Ouais, on veut savoir t'es qui. T'es juste connu à Saint-Jacques ici, on t'a repenti. Check. Incognito. Allô? Allô, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. T'es qui, toi? Enfin, je voulais pas faire ça. Je le sais. Ouais, mais lui non plus. Lui, tu l'as pas encore fait. Eliane avait fait le commande à la Nadia. Merci. Voilà. Je te laisse. Je te laisse en paix. Je te laisse avec des fleurs représentant Jacobin. Hop. Oui, on va représenter. Faites la Nadia. Merci. Hey, Québec, un pays. Oui. Et puis elle fait deux, elle, même. Oui! Le bas Québec et le haut Québec! Ah, c'est bon. Je niaisais. On aime ça. Ah, c'est déjà la phrase d'accroche. Tout accroche le monde, t'es comme ça. Un pays en paix. Ouais. Ou deux pays séparés. C'est ça, l'Octotalk. C'est ça, ben. On jase. On est rendu à ta présentation. Des qui passent, puis... Voilà. Bon. Ça y est. Salut, gars. Olivier, me lâchera pas. Non, je te lâche. Attention à toi, hein. Hey, nous, on s'est vu une fois. High five! Veux-tu te présenter? Moi, je l'y vais à tous les jours, toute ma sixième année. Vous êtes allé au secondaire? Ah non. Non, sixième année, dans le fond, c'est avant le secondaire. L'amour est dans le prix? Non. C'était le pré à côté de l'école. Ah, à Saint-Alexis, le pré est partout. Ah, c'était malade. Ah, t'as l'air. Hey, ciao, bonne soirée. Bonne journée. Bonne bière. Buvez pas en chauffeur. Bon, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce que tu bois? Je bois le maître torréfacteur. T'es rendu à la présentation de... Il lâchera pas. Merci d'animer. T'as raison. Chance, vous êtes là.
Non, ben, c'est parce que j'aimerais vraiment. Fait que je... Oh. Je vais me présenter. Vous voyez, est là depuis vous voyez, a commencé la bière avant là, c'est sûr. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Je vais me présenter, donc. Un crème, on va l'avoir en deux. Non. Le mini-pot. Ouais, le deux coups. Ah, je m'en fous du mini-pot, là. C'est toi. Bon, c'est Guy Dubois. Ça fait trois fois sur le podcast en fin de semaine. 39 ans. Je l'avais pas dit ça vendredi. Non, t'avais pas dit ça. Oh, on est. C'est une information. On vient de la mettre. T'as de l'air de 32. Je suis content que tu dises ça. Le monde dit que j'ai l'air de 26. T'as l'air d'avoir une grosse queue. Ben, il voulait pas être insultant. En fait, il l'aurait dit si t'avais pas dit. J'ai aucune idée de tous les sujets que vous parlez depuis tantôt. T'as-tu un gros pénis pour moi? Ben, un assez gros pour faire quatre garçons. De, comment ça faire casser sur une question random qui s'en allait pas là? Ah, c'était parfait! J'aime ça. À ton maître torréfacteur. Je parle jamais proche du micro, puis c'est pas bon. Il me dit tout le temps, c'est mieux quand tu parles proche. Moi, j'aime mieux avoir l'air du gars. Approche-toi du micro. Pour ça, j'ai craqué son micro. T'es un gars de scène, toi. T'es un gars de scène. Alors, c'est ça. Si tu veux, je continue. Regarde, 4 ans, 7 ans, 11 ans, 13 ans. OK, les dates mon petit troisième a commencé le hockey hier à 7h10 le matin. Puis qu'à 6h30, j'ai eu de la blé dans le hockey. Puis c'était du fun. T'es à quelle heure, 7 après ça? À l'heure. Wow. 10h45. Mais ça, c'est un vrai père. Ben oui. Toujours à l'heure. Ben quand même, 4 boys. Ouais, 4 gars. Pas de filles, rien. J'ai juste 4 gars. Sont-tu temps? C'est pour ça que je dis que dans le fond, j'ai un gros pénis parce qu'ils disent que pour faire des gars, il faut aller la porter au fond. Exactement. Hein? Ben, exactement, toi aussi, tu veux dire. Moi, je suis un nom des trois frères. Mon père est un énorme pénis. Son père, il a toujours dit ça. Peut-être la porter dans le fond. Prends la bain au fond. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est comme prends la bain au fond. Ça, tu feras pas le gars longtemps. J'avais pas obligé d'avoir un gros pénis. Ben, il y a trois gars. Faudra aller voir. Lui, il y a un gros pénis, il y a quatre gars. Maintenant, tu sais. Il est plus petit que le sien, ça, c'est sûr. Il en a fait un de moins. Parlant de pénis, ta casquette jaune, pourquoi il y a du café dessus? Ah, ça, là! Oh, bon, okay. Chris, hey, Rox, on est prêts? On est-tu dans le plugage de ben, compagnie? Ça doit, je sais pas. Dans le fond, c'est... Ben, plugage ou destruction de compagnie, là, ça dépend où est-ce qu'on va s'en aller. Café... Plugage compagnie, je savais pas, café, là, café buvette, moment, chez maman. Signé moment. Mais on peut dire... Ça peut être moment. Dans le fond, ça, c'est l'autre sœur. Tu vas parler de ton projet. Okay. Qui est aussi ma blonde. C'est assez... Elle est plus vieille qu'Evelyne. Ouais. Ok, tu peux t'asseoir. Puis la casquette, c'est moment, c'est café buvette pour ouvrir à Saint-Jacques. C'est deux modèles. Le 5 octobre. Tourne un peu ça vers toi, puis jase-nous de toi. Prends sa bière, bois sa bière. Prends ma bière. Ouais, ça prend une bière pour le podcast. Voilà. C'est Evelyne qui t'a amené ça. Ouais, super. Alors, tu es? Je suis Roxane Ricard, native de Saint-Alexis. Puis j'ouvre un café buvette à Saint-Jacques. Avec ce logo-là. Avec quoi? Le logo. Oui, ouais, les petites coupes, les petites coupes qui sont contentes. Okay. Ouais, une petite tasse, une petite coupe. Okay. Ouais. Okay. Ça va s'appeler comment? Excuse-moi. Signé Moment. Ouais. M-O-M-A-N. Ouais. Exactement. Y a-t-il un accent sur le O? Comme ça. Ah, exactement comme ça. Moment, mais dites avec l'accent de... Moment. De chez nous. De la petite vie, là. La Moment. Et voilà. Un peu, la Nausière. La région. La région. Moment, la région. Ah ouais. Ouais, c'est ça, avec une place qui fait bon y être, juste pour prendre un café, un petit plat à partager. Ça, ce n'est pas assez. C'est comme quand tu vas chez ta mère. Là. Très cool, ça. Aujourd'hui, c'est comme une mère. C'est comme ma deuxième mère. Ah ouais. Ça, oui. J'ai une petite mère. Puis, cool. Buvette, tu vas avoir des bières, des vins. Oui, exactement. De donc, déjà là-dessus? Bière à micro. Okay, pour l'instant, j'ai trois. Alchimiste, la boutique, puis la barberie. OK. Puis sinon, vin québécois, mais aussi importation privée. Puis j'ai beaucoup de sans-alcool. Oh yes! C'est ça, une bonne mère, je fais attention. Et voilà, je fais attention à mes enfants. Mais tout le concept autour de ça. C'est vraiment chaleureux. Honnêtement, le local est prêt. Cool. Ça rouvre le 5 octobre. Ouais. On a travaillé fort. Ben on a travaillé fort. Comme quand c'est vraiment beau, c'est chaleureux, t'as un petit piano à l'entrée. T'as le goût d'être là. T'as le goût d'aller passer du temps là. Puis de magnifique. Bien manger, puis ça va être cool à Saint-Jacques. Ouais. Ben viens faire un tour pour vrai. Ben oui, même à Saint-Jacques. Faire un podcast. Ah ouais? On se porte un podcast. J'ai comme mêlé ça. Puis pour aucune raison. Tout le monde se porte un podcast. Non, mais pour aucune raison. T'as-tu lu tel livre? Ouais, on est parti un podcast. Podcast chez Moment.
Podcast, ouais. Podcast chez oh, maman, le pire. Moi, c'est même le titre de la toune. Podcast chez maman. Ah, ça, j'ai ah, ça c'est. Non, moi, je veux snack bar chez Raymond. Là, c'est une bonne affaire. C'est mais c'est correct, t'as le droit à ton humoriste. Que a, tu veux. Non, mais il a pas entendu. Ouais, c'est bon. Il est tout le temps une longueur en arrière. Ah, ok. Lui, c'est deux. Moi, je suis deux en avant, lui, il y a une en arrière. Je comprends. Je le suis tout le temps parce que sinon, je repars. Mais ouais, ça va être café buvette moment, ça va être tu vois quand très belle tu dis mon montage, des fois il est long. C'est tout ce que tu viens de dire ça, devant ça le micro coupé. Qui est devant toi. Ouais. Ça c'était vraiment le moment difficile de ma part. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est dur d'aller chercher. C'est ça qui est dur d'aller chercher dans les moments vous où je veux avoir une belle conversation. Ouais. Est-ce que le son est bon? Ouais. La personne qui oublie qui parle au micro. Toujours plus difficile. C'est bien, je commence. Merci. C'est un bon réflexe de podcasteur. Ah oui? Bon, ouais, mais écoute. Je suis podcasteur? Oui, ben là. Je suis podcasteur? On est rendu là. Faut que tu sois pas trop proche du micro, hein? J'excuse, c'est moi. Ah. Ah, non, j'adore. Mais ben là, ça veut dire que là, ici, quand tu viens ici, là, tu viens pour le fun, mais en même temps, vu que tu penses comme buvette, ça veut dire que tu checkes tout. Là. Oui, je okay. regarde un peu. Okay. Je fais des connexions. Okay. Regarde moi, qu'est-ce qui, ma première réflexion, c'est de trouver deux micros de la Nodière puis une de Québec. Québec, ça vient d'où dans ta recherche? Oui, Québec, dans le fond, c'est parce que c'est la connaissance de la famille. OK. C'est pour ouais. ça. Ouais, c'est... Mais entre autres, nous, ben, c'est bien de ne pas rester dans la Nodière. Ouais. C'est bien d'être parce que c'est le fun d'être fier, mais c'est le fun d'avoir été chercher quelque chose. Oui, mais plus loin. Ce que aussi, pourquoi, c'est que nous, dans le fond, nos vacances, c'est ça. Souvent qu'on prend depuis 12 ans, c'est qu'on va à Québec. Fait que c'est très significatif pour moi, pour nous. Puis la Barberie, ben, c'est une place qu'on adore aller. Puis en même temps, ben, c'est connecté dans la famille, mais de quand même loin. Belle famille. Mais, ouais, belle famille. Mais c'est ça. La Barberie, on a toujours trippé. Ils font vraiment de la bonne bière. C'est des brasseurs qui sont là depuis longtemps aussi. Ça fait 25 ans. On trouvait. Mais ça fait vraiment. Ça fait beaucoup d'années qu'ils font de la bière. C'est des. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Peut-être 25. Mais ça fait. Il a fait... juste pas me couper quand je parle. Oh, excuse-moi. Mais ça fait longtemps qu'ils sont dans le. Sont dans le game de la microbrasserie. Puis on aime ça aussi aller chercher des produits qui sont un petit peu plus loin. Comme le café, on est allé à Sherbrooke. Ouais. Avec Hubert Saint-Jean. Ah, je pense que t'aurais dit Faro. Non. Hubert Saint-Jean qui torrifie, il torrifie des grains, ça fait plus de 100 ans. Là, la compagnie est partie, ça fait 100 ans qu'il torrifie des grains. Ça doit être un autre monsieur, je pense, depuis ce temps-là, peut-être. Non, c'est le même. il y a de l'expérience en tabac. Oui, mais il y a eu 103 ans l'année passée. Quand même. Mais il a commencé à 3 ans, sa job. Aller chercher des produits que les gens sont pas habitués de voir aussi, c'est ce qu'on veut. Là. Mais qui reste dans notre Ben, qui reste dans le Québec, qui reste dans le Québec, mais de... Ah, des super bons produits qui viennent d'ailleurs. Ouais. Fait que la Barberie, ouais, on a eu un crush, là, vraiment, quand on... On a des crushs. Ouais, maman, c'est des crushs, c'est ouais, ça. C'est important parce qu'après ça, tu peux mieux en parler puis ouais, mieux parler des produits. Ah, vraiment. Mais si t'as déjà catché ça, t'es déjà dans la racine. Ah, c'est l'entrepreneur dans l'art. Ouais, ouais, ça fait longtemps. Famille. C'est sûr que ça va bien marcher. Parce qu'il y en a qui se partent en business juste pour dire que ça va vendre seul, mais c'est une histoire de passion et d'amour et de dévouement. Vraiment, j'aime ça. J'aime ça, je te souhaite tout le bonheur avec ça. Merci. Bien, je vais être bien contente. Maman c'est sûr. Bien sûr. Puis les vins, t'as vu à l'entrée, il y a les vins du Québec. Ah, ça, j'ai envie de dire. Sinon, sommet nordique, Steven et Ellie, c'est des amours. Ben, je sais. Ben, c'est ça, j'ai dit tantôt. Je dis, on va aller voir Saint-Alexis. Elle m'a regardé, elle dit non, c'est Saint-Jacques. C'est pour ça que j'ai. Non, mais tu viens de te voir dans Saint-Alexis. Ouais, j'irai chez vous. J'ai dit, Paya, fait dire que. Faut que je vienne vous voir. Paya, fait dire qu'il faut que je vienne vous voir. Il y a le brelon en tabarnak, ça. Ah, oui. Il a ramené la bière. Voilà. Bon, super. Ok, je te laisse la bière. Ah, merci. Merci. Merci, Roxane, hein? C'est vraiment le fun. Merci. À plus tard. On se revoit à maison tout à l'heure. Se revoit à maison. On reparlera de l'entrevue tout à l'heure. Ça, c'est le moment. C'est le moment qui a le mal à l'oreille droite. Je sais pas pourquoi. C'est le moment qui a catché. Il était où le moment? Où crier dans le micro? Ah, est-ce que j'ai crié? Non, c'est moi. C'est tout le cave. Parfait. Je crie sur. On est correct. Ouais, toi, tu cries à côté, c'est correct. Fait que ça sonne bien. Ouais. Mais honnêtement, on dirait que tu il parles sonne, dedans sonne tranquillement. Sonne normal. Là, on va assister peut-être à soit un malaise ou soit à une belle rencontre. OK. OK, cool. Oh. Les Ricards. Malaise. Les Ricards. Les Ricards. T'as-tu agriculteur. Non, mais je viens d'une famille d'agriculteurs. Je connais un Ricard. Le monsieur qui devrait être soit ton grand-père aujourd'hui ou le père. Mon grand-père, il est mort.
Il s'appelait René Ricard. Il fabriquait des trailers à chevaux. René Ricard? René Ricard. Je ne sais pas d'où c'est né. Pour tout le village. Ouais. Hey, sacré. Hey, René Ricard. Mais dans les j'avais 6 ans quand on était... René Ricard. J'ai connu aucun René. Il n'y a pas de René dans appelle la famille. Appelle ton père, demande-y. OK. Michel. Oh, appelle Mike. Hey, Mikael. Il faisait des trailers à chevaux. Mon père achetait ses trailers à chevaux. René Ricard. OK. Mais il était agriculteur ou il faisait des chevaux? Puis il faisait des rodéos chez eux aussi. C'est plus des courses de chevaux. Il venait d'où, tabarnouche? Je me souviens plus, c'était comment, où, c'était comment ça fonctionne, par contre, salut, quand tu parles de quelqu'un... Hey, René Ricard, tu connais-tu ça? Ouais, je sais. Attends. René Ricard, tu connais-tu ça? Ah, tu colles sur le micro. Non, hein, ça sort de là. Tu connais pas ça, René Ricard? Il faisait des trailers à chevaux. Ça te dit vraiment rien? OK. Parfait, hein? Fait que c'est là le malaise. Ah là, tu viens d'offenser quelqu'un, là. Non. Pas offensé. Dis pas ça à ton père, franchement. Ah, hey, dis salut, on fait un podcast. Dis salut. Présente-toi. Salut. Ouais, présente-toi. Dis t'es qui. C'est bon, ça. On n'entend rien? Dis t'es qui, papa? Ben, c'est Michel. OK, puis, t'as quel âge? Tu viens d'où? J'ai 54 ans. Ok, c'est quoi tes passions dans la vie? Est-ce que t'aimes la terre? Est-ce que... Oui. Je suis producteur agricole. Bon. C'est bon, ça. Hey, on te remercie. T'es maire... Hey, maire de Saint-Alexis? Ouais, maire de Saint-Alexis. Ah, mais Colin! Maire de Saint-Alexis, c'est la haute politique? La haute politique, certain. La haute politique. Non, lui, il connaît juste René Ricard. Ah ouais, c'est ça. C'est un gars de René. C'est un gars de René. Ah, mais anyway, papa. Je merci, t'aime. Merci d'avoir répondu. Dis que tu l'aimes. Je t'aime. Voilà. Faut toujours dire ça à son salut. Père. C'est important. Je pense que c'est important. Je pense qu'on est là. Je pense que c'est... Ah, parce qu'il aurait pas dit. La dernière fois, mon père m'a appelé, il était au Fête Gourmand. Ah ouais? Il m'a appelé... Pour savoir si il tu connaissais dit... quelqu'un. Non. Ça serait malade. Mais connais-tu René? Hey! Hey, René Ricard, ça dit que hey, c'était sur mon podcast, ça. T'étais même pas là. T'étais même pas là. Le vendredi, non, mais le samedi, dimanche, oui. Ouais, il était là. Bon. J'aurais pu faire un podcast au bar. T'amènes deux gros micros. J'aurais pu. On prend de la bière. Ben oui. On a du fun. Ça serait malade. Ouais, fais-tu une petite place, lui? Oui, ben tu veux venir dans Hey, il devrait quasiment prendre mon micro. Non. Toi, c'est parfait parce que t'étais pas très bon. Non, t'es le meilleur co-animateur. Tu restes ici. Viens-t'en. Je veux pas briser tes fonds. Non, mais t'es comme l'essence. L'important, c'est de parler de micro. Essence, ça fait quoi? Ça roule pas. Exact. Alors, mais c'est pas. Qui est notre nouvel invité? C'est électrique. Salut tout le monde. Première fois à la vie sur un podcast. Yeah. Merci. Content de me joindre à vous. Merci d'être là. Ton nom, c'est? Jérôme. Et Jérôme, tu fais quoi? Je bois de la bière. Tu bois de la bière? Tu fais juste ça dans la vie, boire de la bière? Non, en ce moment. J'imagine. Juste en ce moment. Le gars, fait rien que ça. Moi, je fais juste boire de la bière. Il veut pas le dire. Il veut pas le dire. Il est guitariste. Ben, je travaille pour Vidéotron. OK. T'aimes-tu ta job? Veux-tu qu'on en oui, parle? C'est cool. Bon, ça va. On peut parler de bière à place, ça va être plus fun. T'es venu ici solo avec des gens? Moi, ma blonde travaille chez Alchimiste, okay. Mais elle n'est pas là aujourd'hui. Hier, on a profité toute la journée. Okay. Aujourd'hui, ben, t'en profites solo. Okay. Hey, il doit avoir des belles filles chez Alchimiste. Oui, toutes les blondes des gars. C'est vrai, hey, j'ai pensé à la même affaire. C'est quand même bizarre ce que tu viens de dire parce que c'est sa sœur, dans le fond. Une super belle femme. Une super belle femme, elle est juste trop conne. C'est un gars... C'est je pense que j'ai été plus soft que lui, c'est oui, correct. Quand même, ça a dit. Non, il t'a rattrapé. T'as été méchant. T'as été bien méchant, toi. Ben, les choses méchantes, c'est ça qui est compliqué. Hey, la vérité blesse. J'ai dit qu'il y avait des belles filles. Blesse, choc et blesse. Comment tu dis ça? J'avais dit qu'il y avait des belles filles chez Alchimiste. C'est quand ben même, oui. C'est pas méchant. Ben, t'as le droit. Ben non, mais non, crée. Non, c'est fine. En fait, j'aurais dit, doit être je vais m'en représenter si tu continues. Finis ta présentation. Ah, c'est fait. C'est passé. J'étais assez loin dans ce que j'avais à dire. Quatre boys, oui. Jérôme, prends ta place. Hein. Tu fais que t'es venu boire de la bière. C'est quoi ta bière préférée sur le site? Ça, c'est une bonne question.
Pour, j'ai pas vraiment de bière préférée, je pense, à date. Qu'est-ce que t'as bu qui était le meilleur à ton goût? Ok, non, je le sais, je vais le dire. Ma bière préférée, c'est celle qu'il y a dans mon verre. Okay. C'est ma préférée du moment. Ouais. C'est la petite dernière de Shell Smith. Voilà. J'étais comme, avec l'introduction qu'il a donnée, clairement, c'est une bière de la Chimie. Il s'en vient plugger son produit. Ouais. Mais pour vrai, ton verre, il est beau. Je suis pas là, mais je suis le fan numéro un. Ben. Il est beau en malade. Vraiment beau ton verre, c'est une édition. C'est un verre de Locto? Ben, justement. C'est quand? Ça, c'est le 4 ans. Pour vrai? Ouais. Qu'est-ce que c'est pas cette année? Ben, j'étais là, Grim. Non, cette année, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est jouets sexuels, là, on va se dire. Là. Ouais, pas ni. Sauf que ça me fait penser un peu. C'est pas mon préféré. Mais tu peux le voir de même, en fait, plus logique. C'est un espèce de verre, à la base, c'est la marque Spigolo qui fait un verre de ce type-là. OK. Puis il est fait un peu plus large ici, en fait. C'est des verres qui coûtent un peu plus cher, en fait. Ils sont comme, je veux dire, en cristal vraiment fin. Puis il y a une raison pourquoi il est fait comme ça, en fait. Vas-y donc. C'est que c'est des verres à IPA. À IPA? Oui, en fait, quand tu as le réflexe de boire ton verre, là, mettons que je bois mon verre. Lâche ma bière. Souvent, juste comme... Okay. Je vais vouloir la tourner pour la sentir, on a souvent ce réflexe-là. Ça se fait moins bien avec un baril. Mais ça, en fait, t'as pas besoin de le faire. Parce qu'à chaque gorgée que tu fais, les boules ça font que ça fait un petit... j'ai juste le mot reef dans la tête, oh, une petite vague qui fait que tu peux tout de suite aller ressentir ta bière. T'as pas besoin de retousser ton verre. Ah, oh, c'est-tu Castor, on maximise tout. Hein? Ouais. Ça, c'est fait pour les IPA, puis il y en a un autre qui y avait aussi créé une autre version pour les stouts. En fait, les stouts, c'est un triangle. Parce que t'as pas besoin de la brasser. Ah, ouais, tabarnouche, ça n'a pas rapport. C'est fou pareil parce que ce que tu viens de dire, c'est le fun parce que c'est utile pour 1% des gens qui boivent de la bière. Genre. Mais il n'y a pas juste 1% qui boivent de l'IPA. Non, mais c'est utile pour le 1% des gens, maintenant. Qui boivent de l'IPA, c'est encore sur 99% des autres personnes. Qui est comme malade. Cette information-là, moi, je l'utilise. Ouais, mais toi, tu l'utiliserais pas. Mettons, toi, tu prendrais ça, tu crisses une paille dedans. Non, toi, probablement. Oui. Non, mais sinon, j'aime la bière. J'aime sentir la bière. Moi, je dis que quand PA il parle, souvent, faut fermer notre c'est des bonnes choses. Okay. Puis il parle pas fort, le tabarnak, en plus. Non, parce que moi, j'ai mes écouteurs. Tout, tu t'entends en fort. T'écoutes la musique pendant qu'on te parle? Ouais, mais présentement, ça fait... Le podcast, il y en a rien à chier. Tout à l'heure, Arthur, l'aventurier... Ah, vous l'avez vu? Oui, il était... Non, ben, je l'ai vu en vidéo. Mais ma soeur, Elle est venue pour la chimiste. La grande chum et la grande conne. Tiens. L'autre. Ah, puis l'autre, c'est la blonde d'Arthur. Exactement. Ouais. La troisième soeur. Elle est pas ici. Ben, t'es avec Arthur. Le pire, c'est que la troisième soeur va passer, puis elle va venir au podcast. Okay. Vous allez avoir vu la famille Ricard au complet. Parfait. Mais on n'aura pas vu René, Ricard. Non, c'est correct. Ah non, René, je l'ai appelé, il s'en vient. Il amène pas de Ricard non plus. Non, il amène sa calèche. Il est contre lui-même. Pour ceux qui ont suivi tout. Ça, faut écouter le podcast depuis le début. Toi, ouais, on rien. Manquez pas un instant de même, ce voilà. On va vous la prendre. Faut écouter le podcast depuis le début. Ouais, c'est ça. T'as dire quelque chose? Je voulais savoir, en fait, toi, PA, ta bière préférée sur le site aujourd'hui, C'était hier, en fait. Ils l'ont plugué. Il y avait juste un 20 litres. C'est la POC du temps d'une pinte. Okay. Ouais, c'est un stout avec un cold brew. Non, juste un keg. C'est pas un keg. Il y avait juste un keg, en fait. Mais là, il y en a une autre qui est très bonne, que celle que je bois, que tu me demandais tantôt, qui est la Maître Torréfacteur. OK. Ah, cool. Oui, c'est ce que j'avais dans mon verre. C'est ce que il y a dans ton verre. Des notes de café, quoi. Exactement. Parce qu'au temps d'une pinte, ils ont un petit refill, peut-être. Une brûlerie aussi. Okay. Ils font leur café. Ils sont où, t'en as une pinte? À Trois-Rivières. À Trois-Rivières, exactement. OK, ouais. Ben... Ils sont juste là. Ouais, ils sont aussi la tente. Ils sont juste 100 mètres par là-bas. Mais je suis allé... j'ai fait mes études à Trois-Rivières. Ouais. OK, hier, t'en as une pinte, mais t'es familier. Mais là, je viens de replacer la place là, à Trois-Rivières. Oui. Là, ça serait le temps de remplir leur ventre. C'est le temps, on fait ça, là. Moi, j'en ai deux. Ben, si tu alternes à un et l'autre. Je varie entre le 5% et le 10,8. J'aime ça. C'est quoi, c'est le vin d'or? Non, c'est quoi ça? Non, c'est de. Ah, Bill Bocquet? Ouais, le. Bill Bocquet? C'est Bill Bocquet. Ben ouais, je le dis Bol Bocquet, mais ça se disait vraiment pas. Bill Bocquet. Stout. Même pas, c'est pas une stout. Non, ça ressemble pas à une stout. C'est pas une stout. C'est comme un barley wine. C'est un stout. Miel. Tu veux-tu. Stout. Ok. Pas des stout. Anything. Oh. Prends ce que tu veux. C'est vraiment bon, frère. Hey, t'es tellement méchant. Tu juges tout pour parler de
Mais tu. N'importe quoi, ça va aller, je vais être content pareil. Ah bon, ben Gal, lui, il s'en vient à la même place que nous autres. C'est quoi la même place que vous autres, excusez-moi? Barley Wine? Ouais, mais moi, c'est le. Je vais parler fort. Le Bill Bucket. La même place que vous autres, c'est le Barley Wine? Le Barley Wine! Ok, le Barley Wine. Bill Bucket, genre de Barley Wine au miel. Ouais, ouais. 6.8. Mais ça se boit vraiment bien, honnêtement, c'est traître. Mais c'est vrai, c'est très bon, Barley Wine. Ben, c'est ça qu'on va avoir. Ouais, c'est. C'est. Elo a choisi. Je me m'ostine jamais avec Elo. Ben, tu te trompes pas. C'est un produit quand même, il est bon, là. Mel brûlé. Donc là, on parle du Barley Wine? Ouais, on parle du Barley Wine. On parle de l'alchimiste. Oui, mais là, il y a un Barley Wine d'alchimiste. Il fait rien que ça. C'est ça que t'as pris? On parle de Barley Wine. Ben, lui, il parle du Barley. Là, ça t'a pris le Barley Wine au Bill Bucket? Ouais. Ouais, le Bill Bucket, ouais. Ouais. Ouais, c'était bon. Au miel, ouais. Très bon. Ah ouais. Très bon. Puis lui, il est pas au miel. Oui, c'est au miel. Miel brûlé. Ça se ressemble. Ben brûlé, il est pas brûlé. Il est comme caramélisé. D'après moi, il y en a un qui a copié celui-là. Ouais, mais il est servi en canette, hein. Il est pas en fût. Non, exactement. Nous, c'était en canette. Oui, oui. Ouais. Moi, je veux pas partir de potin, mais... Il y en a un qui a copié celui-là. Ouais. Ben oui. Toujours de même. Ouais. Ah, ah c'était vie. 10.8%. Ben, c'est bon d'entendre les commentaires comme... des gens qui sont pas du milieu brassicole. Ah, exact. C'est pour ça, l'Octotalk. Mais c'était des blagues, là. Ah ouais? OK. Okay. On est des farfadets. Ah. T'as des farfadets? J'étais farfadet! Un farfadet! Pourtant, j'ai pas vu l'arc-en-ciel. Vous avez pas la, ah, oui. La référence? T'avais pas l'arc-en-ciel? Oui. Ouais, moi, j'allais. Les dirigeants de Terrebonne? Ouais. J'étais un farfadet. Non? J'étais farfadet! Ça fait longtemps, non, moi, je non. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais on a 27 ans. Ouais. Ouais, toi, ben moi, toi, t'as pas 27 ans. Non, non, mais t'as 4 enfants. Non, exact. Je le sais bien, il y a la barbe blanche. Non, ben, non, exact. Moi, quand il y avait Réjean Terrebonne, c'est déjà... Ah, ça, c'est pas l'âge. Dis ça, ben, à 24, j'avais la barbe blanche. Toi, t'avais de l'avance. J'étais au secondaire, il y avait mes chums qui avaient les cheveux blancs déjà. Ah, ouais. Ça, c'est triste. Ben, c'est la vie. Des fois, tu sais... La pigmentation du. Ouais, non, mais je sais que le corps décide que c'est là, c'est là. C'est héréditaire, là, mettons, là. Même mon père, il a pas un cheveu blanc, man. J'ai bien de l'espoir là-dedans. Ah ouais? Ouais, ah, ouais. Ben, t'es déjà blond. Ouais, mais lui, il est foncé, ouais, maintenant. Moi, je m'en ai dit, il est chaud. Ouais, regarde, aucune calvitie. Ah, c'est vrai, ton père. Vous avez tout hérité de votre mère pour les cheveux, probablement. Mon père et les cheveux. On va vous présenter l'arbre généalogique en deux secondes. Ouais, on a pas les affaires, ils vont m'envoyer une photo. Moi, c'est fucky pareil. J'enverrai ouais, une photo. Okay, okay. Mais moi, dans le fond, ma mère, c'est une paillette. Mon père, c'est un paillette. Et non, ils ne sont pas des sœurs. Des sœurs et frères. Non, son frère et sœur. Pourquoi tu penses qu'il est spécial de même? C'est de l'inceste. Je vais essayer de t'inquiète, tu vas en avoir un jour, tu vas comprendre. Mais. Ah ouais? Mais quand tu vas partir ton podcast? C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'avais ah oui, c'est vrai, on part un podcast. Oui, c'est ça, on était rendu là. Fait que c'est dans la même famille que Julie Payette, je pense. Oui, ouais, ça, c'est ma cousine. Vous êtes jamais allé dans l'espace? Julie Payette dans l'espace, c'est-tu un livre? Ben, je pense qu'elle a écrit un livre, mais d'aller. L'astronaute, crème. Ouais. Ouais, ouais. Ça se passe. Oui, ça se passe. J'adore, mais. Vas-y, Guillaume, j'ai manqué, c'est une blague. Merci, Paul. Oh, wow. Ça, c'est drôle. Ah, tabarnak. C'est parce que. Ouais, on fait un cheers. Vous écoutez le podcast. Ah, vous écoutez le podcast, on l'a pogné. Je vais écouter mon montage. Attention à la bière pour le. Attention au jeu. Ah, boy, c'est moi. Santé, pas le cul. Je peux en dire. Non, c'est bon, j'ai entendu. Hein. Ben, si sentez-moi le cul, je peux en dire souvent. Non, mais ouais. Je sens qu'il y a bien des choses, tu peux dire souvent. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait rire. Il sait pas, mais ça fait 20 minutes son micro était éteint. Être sûr qu'on l'entend pas des autres. Exact, c'est ça. Ah ouais, j'ai tout nivelé. C'est moi qui. On va faire ça au montage. Il rajoute des voix en arrière. C'est pas faire un podcast aujourd'hui. Ben non, non plus. Mais c'est que. Ouais. Mais je rien dit en fait. C'est rien dit. T'as fait jouer juste. Ben moi, j'étais à la Saint-Tite. Ouais, à Saint-Tite. Saint-Tite. Pour le Festival Western. Non!
Non, non, mais il est allé acheter une trottinette électrique. Puis là, il s'est rendu compte que c'était le festival. Hey, tu ris, tout le monde a des astuces de trottinette électrique là-bas. Ben oui. Oui, j'ai dit ça de même. Hein, à Saint-Tite, ouais. En trottinette électrique. Tout le monde. Ben, c'est qu'ils roulaient en cheval, eux autres. Ben, les chevals électriques, mon homme. T'as jamais vu un cheval sur une trottinette électrique? C'est eux autres qui ont été aux fêtes gourmandes pour vous demander d'arrêter. Non, oui, t'as mieux vu. OK. Il avait été formé. Ah. Ceux de la police étaient. Oh, OK, OK. D'après moi, c'était les derniers. Mais j'ai pas vu de gens en trottinette électrique à Saint-Tite quand j'y étais. Ah, t'es allé? T'es allé quand? Voilà, peut-être quoi, 2 mois à peu près. Deux mois? Ben non, oui. Mais le festival, il est là. Ah, tu parles de dans le festival. Durant le festival. Ben d'habitude, ben oui. Au Québec, si tu me dis le mot Saint-Tite, normalement, ça vient que le festival. Ben oui, mais je suis pas obligé d'aller à Saint-Tite. Non, mais t'as le droit, Oui, oui. Mais je pensais, je m'excuse, donc moi quand t'as dit ça à Saint-Tite, je croyais que tu parlais, quand je vais à Saint-Tite, il y a des gens. Et non, parce qu'il y a un festival, les gens peuvent plus se promener en char, donc sont tous en trottinette électrique. Parce qu'il y a tellement de monde à Saint-Tite, c'est incroyable. Non, mais on voit, moi, je suis à 4h30 du matin, ben, je fais attention. Ah, ben moi aussi. Ah, toi aussi, tabarouette. Puis je me suis levé, je suis parti de là-bas à 8h. Freine chez vous, tant que... Okay. On est pas rendu là. Comment? Ah. Non, on est pas rendu là. OK. Ah, vous êtes fort, vous êtes fort. Je me suis couché à 1h, là. Est-ce de l'âge? Moi, hier, c'était 9h. Non, c'est pas 9h. C'est pas vrai. C'était 9h. C'était 9h, moi. Non, mais c'est pas vrai. 10h30. Ouais. Petite soirée. Ouais, petite soirée. Ouais, j'ai... on a joué aux poches. Hey, t'es un crisse de vagin, toi? Bon, ben ça, c'est dit. Non, mais là, 10h30. Ben oui, je sais. Ils vont remployer tous les mots possibles. C'est correct qu'il y a une petite case qui est écrite explicite quand tu fais ton podcast. Ah, bon. Ah, tu l'explicites. Ouais. Puis, tu le cocheras avec nous autres. Ah, c'est fait clair, si c'est mettons, déjà coché. Je dis vagin, là, c'est explicite. Hey, moi, je suis bien. Ouais, ben, tu juges à m'amener quand est-ce que les enfants peuvent écouter pour pas écouter. Ben, ouais, mais Chris, c'est pas grave, ah ouais, c'est vrai, cool, la seule chose, hey, tu ne l'as pas dit au micro. Si il fallait que j'écoute tout ce que mes enfants. Tu sais comment il est bon, les fêtes? Ouais, mais ça, tu sais, c'est tout. Ouais. Non, mais moi, je connaissais le micro. Tu sais, je sais où parler. Ouais. Quand je dis de la marge, je m'éloigne. Ah ouais, c'est. Ok. Mais là, tu m'entends-tu trop fort? Non, je t'entends. Ou c'est pas si pire? C'est pas si pire. C'est pas si pire? Mais si tu parles proche, mais pas fort, c'est parfait. Ici, si tu t'éloignes, puis tu. Mais si tu cries, maintenant. C'est parfait comme ça. Ça, c'est parfait. C'est parfait. J'ai l'impression que je crie tout à l'heure. Non, mais si tu cries de loin, t'es correct. Mais, hey, t'es beau de loin. T'es beau de loin. Il enlève ses écouteurs. Bon, ça, c'est une mauvaise blague. Ah, ça, c'est une mauvaise blague. Essaye-les, voir. Ils se rendent pas super loin, mais vas-y, essaye-les. Vas-tu que je les mange? Moi, je veux juste. Ah ouais? Wow! Ah, j'aimerais ça. Hey, t'es lousse avec tes écouteurs? Là? Moi, je veux juste savoir. Y'a-tu un droit et un gauche? T'es du bon sens. Je veux juste savoir, y'a combien de personnes qui vont écouter ça en moyenne? En moyenne? Non, c'est bon. Ouais, petit gars, parle. Allô? Ah? Ah, c'est bon? C'est moi? Ouais, c'est toi, ça. Toi, t'es un chum, hein. Je veux t'aider. En moyenne, ça dépend. En fait, moi, je regarde tout le temps les premières semaines, mais c'est vite. En une semaine, je vais avoir 150 personnes qui vont l'avoir écouté. Ok, cool. Ah ouais. Puis après ça, avec le temps, ça peut monter 300-400. 300-400? OK. Ah, ouais. Le fun. Quand même choyé. Il y a 300 personnes qui veulent nous entendre parler. Je m'appelle pas Mike Ward, moi, là. Ah, c'est pas toi? Mais mec, vous parliez de mon podcast, je vais peut-être devenir Mike Ward. Hey. Ah, probablement. Je m'attends à tout de vous autres. Nous ben, autres? Moi, je donne tout. Je mise sur vous autres. Moi, ben, je donne tout. Ils ont déjà plugué un podcast pour la fête gourmande. En effet. Donc, en déjà effet. Là, tu vas être là. Ah, non, ouais, ah, ah, des, ah, mille, ouais. Des millions de... Des millions, en fait, parce qu'à Saint-Jacques, il y en rentre des millions de personnes. Là, à Saint-Jacques, il fait rien que ça, rentrer des millions. Ouais. C'est ça. On commence, la Naudière va me connaître, puis après ça, voilà. Sky's the limit. Ah, Sky's the limit en tabarnak. Aux États-Unis, on va être numéro 1. Parfait. Le Sky, c'est même pas... On le fait ça en anglais? Yes. Non, en français, mais on va être numéro 1 aux États-Unis. Ah. Ouais. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite... patreon.com/IPA podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès que l'épisode sort. À bientôt!